Bon, les bananes, ça y est, on en a marre. Ça y est. Vous le connaissez. On peut pas rester en place trop longtemps. Attention, il y a une crotte de chien. Attention, une crotte de chien. Vous savez comment je vais vidéo là aussi, on a une. Attention, attention les bananes. Ça va nous porter bonheur si on marche dedans. On va faire l'éclairance. Bon, ben là. Nous partons. Là, c'est l'Atlantique, les cocos. Hein. Voilà, c'est l'Atlantique. Nous partons faire les papiers de sortie. Et on va être quoi, 3 mois. Qu'est-ce que je dis moi, un mois en mer. On va essayer de faire un stop sur Sainte-Hélène de 24 heures, ce qui est autorisé, et après on sait pas où est-ce qu'on va aller. Donc ne vous inquiétez pas. Et là pour le moment nous allons aux douanes, qui est à 3 km et on y va à pied. Ça nous fait un peu marcher en plus avant de. Oui, avant de faire de la navigation, c'est bien de marcher, toujours un peu de marche. Voilà, on coupe. Mercredi 17 mars, position Walvis Bay, Namibie. Je prends une météo. Nous partons traverser l'océan Atlantique. Premier arrêt, autorisation de 24 heures à Sainte-Hélène. Normalement, pas plus. Le Brésil, ils sont fermés. Guyane, il faut un motif impérieux pour y rentrer. Donc nous partons pour 5000 milles peut-être, non-stop. Une fois de plus à l'aventure. Après l'Indien, confinement dans l'océan Atlantique. C'est parti, ma jacouille est en train de se réveiller tout doucement. Et on va checker la météo ensemble. Nous sommes dans l'Atlantique et nous sommes dans l'Alizé. Ça devrait. Suivez bien le petit bateau. Ça devrait avancer tranquillou. Ma petite jacouille vient de se réveiller. Bonjour. Voilà, on peut partir avec le Covid. Hein. J'ai avalé le citron de travers. Qu'on se fait une cure de citron pendant toute la traversée. Ouais, on a acheté des citrons pas chers. C'est pas cher. 5 euros les 6 kilos, c'est pas cher. Pas cher. Les oranges 5 kilos. Et on a dit qu'on allait se faire cette traversée du coup, parce qu'on ne sait pas où on va. En mode thalasso. Thalassothérapie. Prendre soin de on va nous. Prendre soin de nous. Voilà, on va faire ça. Et en plus, nous, on part avec un passager clandestin. Tiens, on va montrer ton dos. Oh, mais c'est pas joli. Arrête. C'est pas joli. Ouais, mais regardez. Regardez, on va partir avec un passager clandestin. La jacouille, elle a un putain de truc dans le dos. Ah, ça a bien diminué. Ah, ça a vachement diminué, c'est bizarre. C'est vrai. Ah, c'était énorme. Ouais, quand même, hein, ça, c'est pas très beau. Mais on attend que ça gêne pour que ça explose. Ah, il fait un super petit ralenti là-dessus. Hein, c'est notre petit déjeuner. Bon appétit. Alors, on a un copain qui est ici, Christophe, avec Nawal. C'était notre voisin de ponton Nouvelle-Calédonie et on s'est retrouvés. Ici en Namibie, et lui il est docteur, et donc du coup bah, il nous a dit ce qu'il y avait à faire pour la traverser au cas où, surtout voir s'il n'y a pas de fièvre. De la fièvre? Non, j'ai pas de fièvre. J'ai de la fièvre. Attendez. Mais t'as peut-être déjà couille. Bon, bah voilà, il est midi. Nous partons. Moteur tribord, ça pisse. On va aller voir le moteur bâbord. Moteur bâbord, ça pisse. Pas le risque. On y va déjà avec un riz. Un riz dans la GV. Et il n'y a plus qu'à remonter l'ancre. Hop. Attends. Oh là. Ah oui, d'accord. Vas-y. Top. Vas-y. 11h56 exactement, on est parti. Allez mon Blackie, t'as un océan à passer. Youhou, c'est parti. Allez, on sait pas combien de jours, 20 jours, 30 jours, 40 jours, on connaît même pas la destination. C'est un truc de dingue. Oui, allez. Avec toi, je vais où tu veux. Je t'emmène où tu veux, autour du monde. Allez, on dit au revoir. À Roy, c'est arrivé là. C'est le vent, ils sont derrière. Ciao! Et les copains, au revoir! Again! Bye! Allez, Black Lion! Ciao! Bye bye! Voilà, attention!
On va leur mettre un tour du monde dans la tronche quand on aura passé les traves. Juste là, voilà. C'était nos voisins en Nouvelle-Calédonie, attention. Top! Un tour du monde dans la gueule. Ciao les amis. Bisous, prenez soin de vous. Ok, yes. Prenez soin de vous, hein. Ciao. Ok, ok. Donc on va écouter les sensations de ma jacouille sur ce nouveau départ. Le deuxième océan à traverser pour notre Blackie. Notre lion. Ce n'est plus un lionceau maintenant. C'est l'expérience de l'Indien. C'est un lion. Et là on va le faire passer l'Atlantique Sud. Donc j'ai vu qu'il frétille un peu de la queue ce matin, comme son capitaine. T'es fatigué de la queue toi? Tes sensations, t'as une petite appréhension? Ouais, il y a des bananas qui me demandaient si partir comme ça sur une longue traversée, ça faisait des appréhensions. Bah oui, faut pas se mentir, hein. Forcément ça fait des appréhensions. On part en plus, on sait même pas où on voilà, va. On voit plus. Donc ça encore. Mais bon, ça va bien se passer. On est prêt, le bateau est prêt. On est en accord avec voilà, nous-mêmes. On se sent bien, il faut partir. Bien serein, voilà, on est bien serein. Chose qu'on aime surtout pas se disputer avant de partir, par exemple. Ouais, mais touche pas, tu fais chier là, tu touches le genou. Non, non, il faut être bien serein, calme et partir tranquillement. Serein et calme. Et serein et calme. Serein et calme, si vous n'avez pas entendu, serein et calme. Voilà. Et là, j'ai acheté des petits scrubs et des petits masques et des petites crèmes, comme ça je vais m'occuper de mon choupi. Hein? Ok, moi aussi je m'occupais de toi, mais tu as ramassé. Bon, allez, là, voilà, on va manger un petit peu. Là, on quitte donc Valvis Bay, le port de Valvis Bay. Les copains derrière. Bah là, on a laissé Roy, on a laissé Nalwen et Christophe, on a laissé Anto et Pierrot. Bah, c'est quelque chose, on l'a tous, voilà. On vous a déjà parlé de ça, je ne sais plus à quel endroit, et ça fait toujours quelque chose en fait. Les copains, ils naviguent et voilà, on sait ce qu'on va avoir derrière. Enfin, on ne sait pas vraiment ce qu'on va avoir, mais on sait ce qu'on va subir. Non, même pas. Non, même pas. En fait, on ne sait rien. C'est juste qu'on sait qu'on part tous, quoi. On part tous. On part tous. Donc, et là, je crois qu'il y a les mouettes qui nous suivent parce que les charters, ils alimentent. J'ai entendu, elle est où? Ils alimentent les pélicans et les mouettes, ils doivent penser qu'on est un charter et ils pensent qu'on a du poisson avec nous. Ah, ils sont là-bas. Ah, vous les verrez pas sur la GoPro. Mais voilà. Putain, par contre, ça pue, hein. Oh la ouais, vache. La vase, elle sent plus. Il va peut-être falloir donner des... Oh là. Bon, on va aller vérifier ensemble que tous les hublots soient bien fermés, parce que je sais pas si vous vous rappelez, la dernière fois, j'avais mal fermé et j'ai eu tout le matelas de la cabine, de notre cabine, qui était mouillé. Donc là, c'est bon. Là, c'est bon aussi, c'est fermé. La salle de bain, c'est ok. On y est presque. Attendez, hein. J'ouvre la porte. C'est coincé. Là, je crois que c'est fermé aussi. Bon, ben, c'est bon, hein, les cocos. Hein, tout est fermé. On est prêt, hein. On est prêt. Allez, je vous repasse le choupi. Alors, la baie de Valvis est assez grande. Il faut 5000 pour sortir. 5000. Et le vent devrait le toucher à peu près ici et on prendra un cap légèrement ouest-nord-ouest. C'est parti! Sainte-Hélène! Direction Sainte-Hélène! Au revoir les otaries! Il y a des fois quand même une part de chance dans quel sens? De nuit, vous pouvez avoir le radar, vous pouvez avoir l'AIS, vous pouvez voir certaines choses, des choses que vous ne pouvez pas voir. Quand on est arrivé, j'ai demandé à ma jacouille d'être devant au cas où il y aurait un corps mort comme celui-ci. Alors, on est passé devant ce gros truc là. On n'a pas vu. Hein. Et ben, on est passé pas loin, ça c'est sûr, parce que si je reprenais ma trace, tiens, pour les voir. Et on est passé juste à côté, ben, il s'est fallu deux. Hein. Ouais. Un beau trou dans Blackie, ça aurait été bon. Bien. Petit clin d'œil à la Nouvelle-Calédonie. Ah oui, elle est morte. Allez, on va faire un petit tour. On va faire un petit coucou une dernière fois aux otaries. Non, pas là.
Plus derrière ma jacouille, il y a des colonies d'otaries énormes. On va passer juste à côté pour leur dire au revoir parce qu'on n'est pas prêt d'en revoir d'aussitôt. Pas beaucoup de vent, donc Choupi reprend le riz là et on va voir si c'est efficace. On est... Alors combien? Et ben toujours de 2. Ah, 2-4. Ah. Alors ce qui est toujours intéressant de savoir, c'est à quoi ils pêchent. En général, quand c'est des zones de pêche, ils pêchent tous de la même façon. Donc soit ils mettent des filets dérivants, des filets accrochés au bateau ou chaluts. Donc ça, je pense que c'est un chalut. Je pense que c'est un chalut. Donc ça doit être un chalutier. Donc si dans la nuit on le croise sur la IS, ben on s'écarte de son arrière, quoi. Et on devrait être tranquille. Alors il y a une balise cardinale nord qui nous dit donc de passer au nord de cette balise. Et en fait, il est écrit que les bancs de sable peuvent changer très souvent. Et disent qu'il faut absolument passer au nord de cette bouée, ne pas passer entre la bouée et le banc de sable. Mais de visu, il n'y a pas l'air d'avoir de banc de sable, mais c'est Jacouille qui a raison. Elle m'a dit, mais il te reste 200 mètres à faire, pourquoi tu veux passer au milieu? Et elle a entièrement raison. Ça serait con de passer dès le départ. Hein, nous sommes pas pressés. Qu'est-ce que je peux être con alors? Non, tu vas pas commencer à faire des bêtises, hein, Choupi. Hein. Non, pas de bêtises sur cette traversée. Hein. Voilà. Attention. Hein. On la contourne. Tiens, je veille. On va contourner la bouée. Là, vous la voyez? Donc c'était pas la peine de passer par là, autant passer juste derrière, hein. Alors Choupi. Ouais, je pense que c'est un avertissement pour les cargos, pas pour nous. Mais t'as raison, ça serait, ouais. Voilà. Si je me prends un banc de sable, après... C'est un peu con. Attends, je la remontre. Petit feuilleté de champignons frais et sa salade de saison. Premier repas de notre traversée. Bon appétit Choupi. Bon appétit les bananes. 13h22. Jacouille mange des raisins. Blackie à la voile. On est au pré, pour l'instant, le vent devrait tourner. Hein. C'est pas... Alors évidemment, ça fait 10 jours qu'on est dans le désert, il y a du grain de sable dans l'air. Donc on va essayer de trouver d'où vient le bruit. On y va. On va mettre du pec citron. Est-ce que c'est là? Ça marche pas? Ah, ça y est. Là? Pied de mât. Ouais, c'est là-dedans que ça couine. Ah ouais, carrément, c'est là que ça couine. C'est bizarre, hein? C'est peut-être parce que t'as serré, non? C'est fou comment un tout petit truc peut faire un boucan comme pas possible dans le bateau. Je vous montre. C'est l'élastique là. En fait, j'ai mis un élastique ici pour tomber parce qu'il y avait un peu de jeu entre les deux safrans de chaque côté. Et ça évite que ce safran il y ait du jeu, quoi. Et en fait, c'est l'élastique qui était là qui merdouillait, quoi. Bon, allez, on va mettre le janker, on va tenter. Pour l'instant, on n'a pas le bon cap, mais le vent va tourner. Pour l'instant, il est ouest. Il va passer sud-ouest, sud, sud-est. Mmh.
Est-ce que je vous ai déjà dit que le Jerry-Cœur c'est ma voile préférée? Ah non, il va pas recommencer celui-là, nous emmerde. Quelle vitesse? Et voilà, 3,5, 3,7. Allez mon Blacky. Ça c'est une allure 4,9. Qui l'apprécie? Ça? C'est cassé? La sangle du kayak est cassée. Alors c'est une des raisons. Voilà une des raisons pour lesquelles je veux jamais partir de nuit. Parce que les premiers problèmes en général sont de traverser. Il peut y en avoir bien sûr en route. Mais c'est souvent quand même au début. Alors si de nuit il faut chercher le bruit, si de nuit il faut rattacher le kayak et tout. Voilà, c'est chiant. C'est bien le Jerry-Cœur. Est-ce que c'est bien le Jerry-Cœur? Oui, c'est bien le Jerry-Cœur. Hey, je vais faire un petit jeu pour cette traversée. Vous êtes nombreux à me l'avoir dit, puis c'est un truc que ça m'amuse moi. Dis Siri, mets le compte à rebours 20 minutes. Dis Siri, mets le compte à rebours 20 minutes. Donc on sait pas trop combien de jours on va rester en mer, donc on va essayer de faire une petite réserve de poissons. Grands pêcheurs que nous sommes. Allons-y. Un petit rapala. Il est où? Je sais pas. Ben, il ira pas là. Merde, il est parti dans le... Bah non, j'accouille pas ça. Non, vite. Non, non. Voilà, voilà. Une mission de la jacouille. Ah, mais tu vois, il va direct. Allez, mais lâche, laisse du mou. Laisse du mou. Ah, j'ai eu peur. Hein. J'ai cru qu'il était parti dans l'hydrogénérateur. Pas 40 jours comme ça. Pas 40 jours. Et il y a à peu près 6-7 nœuds de vent. Et on avance à 6 nœuds. On est quasiment à la vitesse du vent là. Au bon plein, là, c'est super bien. Et la houle est longue et langoureuse. C'est vraiment très très plaisant. Une seule chose encore, l'eau est marron. On attend qu'elle devienne bleue. Bleu océan. Et il caille encore quelque chose de bien. Il fait très très froid. Donc on s'éloigne tout doucement. Là vous verrez plus sur la GoPro de Valvis Bay. Et on va s'éloigner de la côte pour éviter les pêcheurs pour la nuit. Comme je vous ai vu partir au large un petit peu, donc on va être un peu vigilant première nuit. Ça caille. Ouais, je sais, j'ai l'air con, mais la capuche, il prend beaucoup. Hein. Et là, regardez les derniers instants du soleil, là, il y a un truc qui arrive. Je sais pas si c'est le brouillard ou... Ouais, c'est bizarre. Ouais, c'est bizarre ça. Et dès que le soleil se cache, ça enlève 2-3 degrés. Hein. Ouais, on a froid, on a froid. Là, on a hâte de retrouver de l'eau claire, là. Hein, de l'eau bleue. Hein. Ah ouais, puis l'eau, elle est sale là. Je rêve bleu, je n'y crois pas, c'est merveilleux. On a la direction sur Sainte-Hélène et on commence à avoir le vent de travers. Il y a encore des otaries là. Il y a encore des otaries et ouais, on avance bien, mais j'aime pas trop ce qui arrive là. Ça, on va avoir encore plus froid là. Et vous risquez de ne pas avoir un beau coucher de soleil ce soir, les bananes. Ah ouais, là ce soir ça craint. Je trouvais que j'avais plus d'accent en Suisse quand j'ai parlé. Après, c'est à cause de Pyro ça. À force de le fréquenter. À force de fréquenter, j'ai eu l'accent suisse. C'est l'autre Jerry-Cœur car le vent il est en train de monter. Donc la technique, on se met pourtant. Et j'enroule le Jerry-Cœur. Voilà, on dévente le Jerry-Cœur avec la GV. C'est ça, avec ton Jerry-Cœur est bien serré. Attention, bah tire pas trop. Tu vas le dérouler. Et là je reprends le cap pour mettre le foc. On reprend notre cap. 30, 40. Attention bébé, je mets le foc. Hein. Je mets le foc.
Porte soin à toi. C'est bon? Il est pas coincé là-bas? Un truc de coincé. Ah si, pourquoi il déroule pas? Donc on est au bon plein de travers, on déplace le chariot. Allez, travers on est à peu près ici, au prix on met là. Et au pourtour on mettra là-bas. Ben voilà, on est pas mal, on était à 9 nœuds sous Genec. Et là on est à 7 nœuds avec le froc. Et toute la GV. Voilà, je pense que j'aurais duré pour la nuit quand même. Vous me connaissez. Qui va piano mange de Kinder Bueno. Alors, prendre un riz, c'est quoi? Je vous expliquerai demain ce que c'est à riser, parce que vous êtes nombreux à nous avoir demandé c'est quoi prendre un riz. Et en fait, la question n'est pas bête du tout, parce que on a une petite anecdote là-dessus. Je vous la raconterai demain. Ok. En attendant, on va prendre un riz sur la grand voile. Il caille, il fait pas beau. Il faut se réchauffer. Il y aura un petit semblant de coucher de soleil. Là, on a pris un riz et tout phoque dehors. Et bah voilà, Saint-Étienne, nous voici. Là, on est à 6 nœuds maintenant, 6 nœuds, et il y a 12 nœuds de vent apparent. Donc, on est au bon plein. Donc, il va y avoir 8-10 nœuds devant. On a rangé le Genaker à 8-10 nœuds devant. Il y a des pétos charmes. On n'est pas précis. Hein. On n'est pas pressé. Bon, on vous dit bonne nuit, voilà, parce qu'on est un peu fatigué. Hier, on a passé une soirée pour dire au revoir à tout le monde. Hein. Et on se voit demain. Ok? Ciao. On va la voir, notre coucher de soleil. On va la voir. Là, je vais. Beau souffle de baleine. Ah, c'est peut-être des cachalots. Hein. Alors, c'est là où on va faire tous les soirs. La réflexion du jacouille qui est derrière mon dos. Mais, allez, attendez, on a senti l'odeur. Donc, c'est vraiment une odeur très spéciale qui puait vraiment. Ah, ça pue. Donc, on s'est dit, c'est la baleine qui a pété. Ça doit faire des sacrés piles quand ça pète. Voilà, la réflexion derrière mon dos, tranquillement. Tout innocent, comme il dit. Bah, non, ça doit faire des sacrés bulles quand ça pète une baleine. Et 6h30 ce matin, on n'a pas super bien dormi. Hein. Putain, on s'est fait tabasser là. On s'est fait tabasser un peu cette nuit. Quoi tabasser, non, c'est les vagues courtes. Le temps qu'on sorte du courant du Bengala. Hein, ça a appelé sur Blacky quelque chose de bien. Quoi. Vague courte comme ça, c'est super chiant. On vient d'être appelé sur la VHF. Quoi, pas nous, tous les bateaux qui sont dans la zone. On est à combien? On est à 110 000.
des côtes. Et il n'y a que Namibie qu'on avait vu ça. Vous voyez ces trois points là, c'est les pêcheurs, ils ont mis leur ligne et ils ont donné la position de leur ligne. Il y a 8 ans on avait eu ça, je me suis dit tiens c'est bizarre, on l'a plus. Et le gars appelle sur le 16 et 16 et puis il se déroule sur le 68 pour donner le début et la fin de leur filet. C'est assez bien quand même. Et en fait on vient juste de le passer. Il a posé son filet là et nous on est juste là quoi. Mais je suis un peu fatigué moi, j'ai pas bien dormi cette nuit. Hein. Et je viens de mesurer la longueur de sa ligne. 16 000, 30 km de ligne quoi. C'est énorme. C'est énorme. Putain, je suis content de l'avoir passé. Là. Putain, ça te fait dérouter de 3 heures quoi. Ah, il y a un beau rorqual qui est sorti là, juste à côté de nous. Il est sorti juste à côté de nous là. Ben mes cadets, ben mes petits frères, ça commence bien. Tous les matins, ma jacouille m'a dit, on va se faire un bon petit jus de citron. Voilà, j'ai tout bu, de citron frais, oui. Du pur. C'est un apport de vitamines sans sucre, pur. Vous pressez le citron dans un verre, c'est avec jacouille et la fripouille, vous ne mangerez pas que des nouilles. Voilà, vous prenez un citron, vous le pressez dans le verre et vous buvez. Pas compliqué. Et un jus d'orange frais aussi. Et un jus d'orange frais. Et avec des céréales fraîches. Quelle nuit. On est en plein dans le courant du Bengala. Hein. Ça, c'est... Ça fait bing, bang, boum. Ouais, bing, bang, Bengala. Mmh. Et j'ai vu qu'il y a encore au moins 80 000. La 80 000 première fois. Ouais. Avec Pirate, tu avais dit que pendant les 2-3 premiers jours, ça allait secouer. Donc encore les 80 000, peut-être nuit prochaine ça va aller mieux. Mais là c'est un peu dans tous les sens, j'irai filmer ça tout à l'heure. Mais ça se verra pas trop je pense sur la caméra, je vais essayer quand même. Mais c'est court, c'est brouillon, bah, c'est pas terrible pour l'instant. Mais normalement ça va changer. On vous a dit, normalement on doit passer une bonne traversée. Moi je trace pas tout l'océan Atlantique comme ça, je vous préviens. Moi je suis mi-tour. Hein. Là, Jacou il a pas bougé de la nuit. Si, je me suis levée. Ah oui, elle m'a fait le petit déjeuner. Mais sinon, avec comme ça. Regardez cette tête de saint. Pourquoi? Parce que c'est la Saint-Cyril aujourd'hui. Eh, c'est ta fête, mon bébé. Un bisou doux. Un petit bisou. Hey, oh, ça bouge. On va voir un petit peu dehors, comme ça a beaucoup tapé comme cette nuit, voir qu'il n'y ait pas de casse. Hein ? Les lunettes avant de tomber. Les lunettes avant de tomber, ah ça y est, elles sont tombées. Oh, attendez les bananes. Attendez, on sort, je vous dis. Oh. Ok, allez, on y va. Mais non. Alors, comment est la mer ? Vous voyez, ça déferle, la mer est courte. Il ah, faut que ça se range un petit peu, ça serait bien. Parce que on va encore se lever, c'est comme ça, on va ramasser. Bien, Blacky, il m'a l'air en forme. Mon petit Blacky. Il va falloir que je check ça bientôt là parce qu'il y a les sangles qui commencent à se délaminer là. On risque d'avoir une mauvaise surprise dans pas longtemps là. Un signe que nous sommes dans un courant déchets plastiques. À la surface. Là, j'ai un coup, il vient de me dire un truc très intéressant.
On passe dans le méridien de Greenwich, on passe le méridien de Greenwich avant Sainte-Hélène. Avant Sainte-Hélène. Du coup, on sera du côté ouest. Du côté ouest. Et donc, qu'est-ce que me dit Mange Toupie? Quand on passe le méridien, quand on passe l'équateur, qu'est-ce qu'on fait? Dans l'équateur, normalement. Bah, le méridien aussi, voilà, c'est une nouvelle voie. Les voies sont faites pour être changées. Ok? Bon, ça sera un petit rhum. On va mettre le Jennaker dans les trois quarts arrière. Parce que il n'est pas stabilisé, Blacky, là. Il n'est pas stabilisé, là où il est un peu désordonné. En gagnant un peu de vitesse, on risque d'être un peu mieux. Hein. Ah, ok. Plus confortable? Oui. Plus confortable. Voilà. Alors des fois, faut pas hésiter, hein, de rajouter un peu de voile. Mais après, la mer est dégueulasse, donc j'ai hésité à mettre le Jennaker parce que j'ai peur qu'il se batte comme ça, qu'il donne des à-coups. Deux autres bonnes nouvelles. La chaleur a l'air de revenir. Enfin, fini le froid. Et l'eau commence à changer de couleur aussi légèrement. Elle est devenue verte. Des nuages. Chose qu'on voyait pas trop en Namibie, c'est soit du brouillard, soit du ciel bleu. 142,4 milles en 24 heures, c'est très très bien. On fait cap au 285 et on s'en va vers le soleil couchant. Et la mer s'est vachement calmée là, elle est devenue verte, il y a moins de courant et ben on avance bien, on avance très très bien. Nous sommes à ouais, entre 7 et 9 nœuds par moment. Sous Jennaker et Harry dans la grand voile. Vivement qu'on sorte de ce courant du Bengala. Regardez ça un peu. Allez, 24 heures, nous fêtons le 24 heures au rouleau de printemps. Tu peux faire le petit sinois? Le petit sinois? C'est pas bien de se moquer. Hein. Non, je me moque pas. Si, en ce moment, tu auras beaucoup de problèmes en se moquant. Comme ça. Ah, bonjour tout le monde, on va monter des goulots de printemps, parce qu'on n'a pas de nez. La couille, c'est bon, désolé. J'ai failli m'étouffer. C'est le wasabi? Ah, c'est le wasabi, là. Sinon, il vite arrivé en mer, moi je vous le dis. Putain. Bon, aujourd'hui, je vous explique ce que c'est de prendre un riz. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé. Je crie parce que je ne sais pas si vous allez m'entendre. Il y a du vent et ça booste bien. Alors, c'est quoi prendre du riz, ma jacouille? Voilà, ouais, prix du riz. Non mais vous rigolez, pour l'anecdote, notre premier catamaran, pirate.com, en Nouvelle-Calédonie, un jour on est revenu par 30 nœuds devant 30-35 nœuds de l'hylomètre à la baie de l'Orfoïna. Et on débutait, on n'y connaissait rien du tout. Et on met le génois, la grande voile, et on s'en va, 30-35 nœuds, toute voile devant. On était contents, ça a avancé. Quand on est arrivé à la marina, on a fait sensation, les gens ils arrivaient à l'eau, ils disent putain dis donc, et vous n'avez pas peur, hein. Jamais vous prenez de lui. Vous savez pas ce que ça veut dire alors. Oh non non, nous on est comme ça. Ah non, t'as pas dit ça. Un petit peu quand même. Hein. Okay. Mais dès que les personnes sont parties, je cherchais. Et à l'époque, il n'y avait rien. C'était voilà, vous faites le truc de la blague du riz, mais je devais faire cuire du riz, faire des trucs comme ça. Donc voilà. Prendre un riz, en fait, c'est tout simplement, je vais vous faire très très simple, pas dans les termes techniques, c'est réduire la surface de la grand voile. La grand voile que vous voyez ici, vous avez trois riz, en fait, trois riz étagés du bas vers le haut. Et quand vous prenez un riz, à partir par exemple de 17-18 nœuds, vous réduisez, vous descendez la grand voile et vous réduisez sa surface. Donc vous allez moins vite, mais vous pensez moins sur la nature également. Oui. Il y a des points d'accroche ici là avec les panneaux et des points d'accroche de l'autre côté. Voilà. Vous voyez, là on a pris un riz hier, la voile est réduite de plusieurs mètres carrés. Ok. En haut, il y a d'autres points d'accroche. On peut avoir deux riz. Alors en général, souvent sur les grands voiles, mettre deux riz. Mais autour du monde, on préconise trois riz quand même parce que vous avez bien vu, hein, on se prend souvent des 50 nœuds. Et voilà, et à l'arrière c'est pareil, c'est réduit, c'est tiré au bout de la boue. Voilà, je vous le fais simple. Donc là on a un riz dans la GV, nous avons un riz dans la GV et le Jennaker. Je pourrais mettre toute voile dehors parce qu'il n'y a que 13 nœuds, mais on avance bien, on est à 8-9 nœuds.
Voilà, j'espère que j'étais assez clair. Prendre un riz et reprendre le riz. D'ailleurs, faudrait que je trouve pourquoi on dit ça, prendre un riz. Riz, ça R-I-S. Ouais, mais ça vient de quoi? C'est un mot qui a été inventé. Faut-il savoir de quoi ça vient? Nous allons chercher. Wiki, chacouille. Je vous montre ce qu'on a fait aujourd'hui. Il n'est pas 4h du matin, il est 4h de l'après-midi. Qu'est-ce que ça? Un truc de fou, on est fatigué. On n'a pas arrêté, hein, soirée sur soirée aussi à Namibie, là. Je crois qu'on est en train de récupérer. Hein. Bon, on se donne des bonnes excuses, mais on récupère. Après, on a le droit. Est-ce que je t'ai interdit quelque chose? Bon. Qui surfe à 13 nœuds là par moment. Je vais essayer de vous donner la sensation de vitesse de l'intérieur du cockpit. Puis ouais, c'est, ça n'a rien à voir avec hier. Hein. Alors quand il est passé 10 nœuds, l'eau J est sur les traves. Là, ici. Alors ce qu'on vous disait tout à l'heure, ça se confirme. On croit deviner que l'eau a changé de couleur, elle est devenue beaucoup plus bleue. Et ça n'a rien à voir, c'est carrément plus calme. Hein. La mer, elle est carrément plus calme. Donc on peut en conclure que le changement de couleur de l'eau est un indicateur aussi de ne plus être dans le courant. Surtout là, dans le courant du Wangala, il y avait énormément de sédiments marron, vert, c'est vraiment très très sombre. Et là on voit bien la différence nous en navigation quoi. Ça souffle là 15-20 nœuds, mais c'est hyper confortable. On surfe à donf et... À donf. Et voilà quoi. Et voilà. On va avoir un beau coucher de soleil. On va avoir un beau coucher de soleil. 10 GoPro, 180 degrés. Non, 90 degrés. Bon, on filme ça. On se dit à demain. Pour la nuit, on va quand même réduire. On va mettre le phoque. Hein. Parce qu'on surfe jusqu'à 13 nœuds. On surfe jusqu'à 13 nœuds. Et voilà, il pourrait rester comme ça toute la nuit, mais... Soyons prudents. Soyons prudents. On le dit tout le temps. Jacouille, la fricouille, on mange pas des nouilles, que des nouilles. Bah, on va faire une petite recette jacouille, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors là, je vais faire, on va dire que c'est, comment je t'ai dit déjà? Une poêlée paysanne. Une poêlée paysanne. En fait, il sait bien faire le paysan. De toute façon, moi, je t'ai rien parce que la dernière fois, je me suis fait défoncer la gueule. Sur YouTube, parce que j'ai renversé la crème et j'ai pas ramassé. Allez. Donc, je ne fais rien. Je ne ferai pas de mouvement, je suivrai la recette, je le ferai à la genre maïté et puis l'autre là. Arrête, allez Alors ma jacouille, que vas-tu mettre de bon dans ces deux poêles? Alors, du coup on a pris des lardons, des patates, des oignons, des carottes, des poireaux, des champignons frais, des haricots. On a que du truc frais là, c'est que bien. Du truc frais, ouais, ouais. Et on va d'abord mettre à revenir les trucs et puis comme ça je vais te préparer ton petit rhum. Ah, là, tout à fait, chose, ma jacouille, tout à fait. Allez, arrête. Non, vous voulez quelqu'un de sérieux, les bananes? Vous allez voir quelqu'un de sérieux. Non, ils veulent pas sérieux. Ah, vous allez voir. Ils veulent je vais pas être sérieux. Sérieux. Tout à fait, ma jacouille. Donc, c'est ça, tu mets donc des lardons dans là, la poêle. Faire... C'est bien ça. Hein. J'aime pas quand ils font le sérieux, les bananes. Ah, vous allez chercher, vous allez me trouver. On va faire revenir les lardons dans cette poêle et dans l'autre. Alors, il me reste de la graisse de canard. La graisse de canard du confit de la dernière fois. Donc on va faire revenir. Bah avec ça on va maigrir, c'est sûr. Voyons, lardon et graisse de canard, ça c'est sûr que
tout est bon pour le régime. Et avant de partir, on fait attention à nous, hein. Poêlée paysanne, graisse de canard, lardon. Ouais, mais écoute, j'ai bah écoute, écoute, banane. Donc, dans la graisse de canard, j'en ai pas mis beaucoup, tu vois. Non, non, juste qu'il faut. Une léchouille. Une léchouille. On va faire revenir les patates dedans. Donc, on va mettre les patates dedans, comme ça. C'est moi ou ta poêle elle est de plus en plus... Ouais, elle part en cacahuète. Ouais, je t'avais dit, pourtant t'as vu, je fais attention. Oh, hein. On a demandé à la chef du rayon. On lui a dit, c'est à quelle meilleure qualité. Elle a dit que c'était celle-là. Eh ben, d'accord. Non, mais c'est pas terrible. Voleur. Voleur. Bon, fais revenir mon chat. Pendant ce temps, je te fais ton petit rhum. Ouais. Allez, voilà. Tiens, parce que si vous avez oublié comment on fait un rhum... Allez, on vous remonte. Parce qu'il y en a encore qui nous disent... Comment on fait le rhum? Alors, la moitié, d'un citron. Allez, on presse la moitié du citron. La même dose de sucre liquide. Que j'ai fait. Ouais, on vous montrera comment on fait. On l'a déjà montré. Non, ben on vous remontrera. Allez. La même dose de sucre liquide. La même dose. Attention, il ne faut pas débarrasser. Oh, pas trop. Et là, attention, c'est là le moment le plus important. La grande dose de rhum. Il faut aller au moins jusqu'à Lens. Et vous avez vu, c'est des petits verres, hein, regardez. Ah merde. Oh, oh, là. Oh le gaspillage. Ah non, mais il y a eu une vague en même temps. Là, je suis en colère. Là, je suis en colère. Il est quelle heure? Il est 5h. C'est l'heure de mon rhum. Ah oui, c'est l'heure de mon rhum. Voilà. C'est l'heure de mon rhum. Donc, tu peux commencer à siroter ton petit rhum et puis je t'appelle quand c'est revenu. Combien de fois vous l'avez entendu? Je t'appelle quand c'est revenu. Alors, en attendant, je vous montre. Vous voyez les petits zigzags là? C'est le dernier petit motif qui indique le courant du Bengala. Donc on en est quoi? Au total, on a fait 180 000. On va normalement quitter le courant du Bengala. Et donc la mer devrait être en meilleur état. Hein. Cette nuit, ça n'a pas été terrible. Et là, je peux vous dire que Blacky, là, il est crinière au vent. Il y va. À mon Blacky. Quand on sort d'un pays de deal, tout ça. Bon, ok, je fais ma gueule. Alors, oh, non, vas-y, vas-y. Non, c'est bon, allez, vas-y, j'ai bien compris, allez. Là, j'enlève un peu. Attends, mais pas. C'est pas facile, ça passe à côté, c'est n'importe quoi. C'est beau, Maïté. Tu fais quoi exactement là? Bah, en fait, je voulais enlever un peu de graisse. J'en ai l'eau à la bouche, hein. Je suis sûr que les bananes, ils vont en avoir l'eau à la bouche aussi. Un peu de graisse, et c'est beaucoup de graisse que tu voulais retirer même. Oui, j'enlève la graisse. Après, je remets. Là, je fais un peu n'importe quoi parce que je tiens pas bien, tu vois. T'es barbouillé? Je suis un peu. Ouais, ça bouge, mais ça tape pas, c'est confortable dans le bateau quand même. Non, c'est confortable. Là, le temps que ça égoutte, je vais mettre les petits oignons. Alors, par plaisir, par pitié, tu les fais revenir correctement. Les bananes, t'arrêtes pas de te le dire. Ouais, ils m'ont dit. T'as compris, Jacouille? Oui, alors on va faire revenir correct. Allez, tu les fais caraméliser comme ils ont dit. D'accord. Ok, ça marche. Bon, ben on a le temps de finir notre partie d'autre chose en attendant. Ouais, on fait partie d'autre chose. Je vais prendre un petit. Ils sont super bons, les lardons qu'on a achetés. Demain, on vous parlera des fruits et légumes qu'on a achetés en Namibie. C'est de la merde. Alors, ils sont assez caramélisés? Ils sont pas caramélisés, ils sont dorés. Mais ça suffit. Ok, on va rajouter du poireau que j'ai coupé en petits morceaux. Il faut parler plus fort. Des champignons. Je la connais, ma Jacouille. Je sais qu'elle est en train d'être barbouillée là. Je la connais. Des haricots. Des carottes. Je m'en fous, je mets tout. Je n'ai rien à foutre. Là, je vais rajouter, là, c'est un mélange herbe garlic. Mais pourtant, c'est confortable. Hein. Mais oui, mais écoute, oui. Hein. Deuxième jour. Il faut trois jours, là, Jacouille. Moi, je la connais par cœur, il faut trois jours. Du poivre. Là. On va mélanger tout ça. Et on va laisser revenir. À feu doux. À feu doux. Je crois même que je vais rajouter les lardons dedans, comme ça, ça va bien donner le goût. Oh, ça va être super bon. Hein. Moi, je suis content d'être au régime. Hein. Je ne sais pas vous les bananes, mais moi, je suis pas content. On n'est pas au régime, on fait attention, mais là, c'est plein de légumes. C'est pas parce qu'il y a un petit peu de graisse de canard que de lardon. Tout à fait, Maïté. Oui. Allez, on laisse revenir, mon chou. Et les patates, les mets quand? Ben, on les mettra un peu plus tard. Je vais les goûter. Non, allez, je vais les mettre. Ah non, hein, elles vont fondre. Ouais. Attends, je goûte, voir si elles sont bonnes. Hein. À la fin, ouais, c'est trop bon. À la fin, on va se régaler. On les rajoute à la fin. Allez, on laisse revenir. C'est chouette, hein. Avec Jacouille, on mange pas que des nouilles en navigation. Hein.
Vous imaginez, la station de navigation, manger des genoux chinois normalement pour toi. Bah non, pourquoi? Voilà, je vous avoue, je me suis encore fait engueuler. Con alors. Bah allez, on rajoute les patates. On a fait un petit peu de thé. Et puis là, on remet tout ça. Et mon bébé va pouvoir bientôt manger. Ah bah non, on va attendre le coucher de soleil. Hein. Bon, ah, mais ça me donne trop faim, j'en ai l'eau à la bouche encore. T'as faim, hein? Ah ouais, c'est trop bon. Je vais juste goûter alors. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Si tu veux. Tu veux goûter? Ah ouais, je veux bien. Okay. Il manque peut-être encore un tout petit peu de cuisson. Je mets un peu de patate avec. Aïe! Ah, t'as fait tout tomber. Ah, c'est pas moi ça? Ouais, c'est pas moi. Ouais, attendez. Hop. C'est un petit accident technique. Hop là. Fais attention, c'est chaud. Alors, ça se bat ? C'est la terre. Oh là là, nous sommes en mer, on a un bout de terre. C'est normal, c'est une poêle paysanne. Voilà tout le bordel de tout le merde. Elle est bien bonne, celle-là. Ils avaient dit qu'il fallait faire les paysans. Voilà tout le monde. Qu'elle est bonne. Bonne du tout. Non, pas toi, moi. Effet plongeant. Avec jacouille à fripouille, vous ne mangerez pas que des nouilles. Mais non, on mange de la poêlée paysanne. De la poêlée paysanne. Bonne tout de suite, bordel de cul, on va se régaler. On regardera demain ensemble, mais j'ai l'impression que l'eau est devenue bleue, enfin. Ouais, c'est bien éclairci. Ouais. Après, pas loin de 200 000 au large. D'ailleurs, c'est fou, hein. C'est quand même plus sympa. Hein. Ouais, c'est plus sympa. Hein. Blacky, là, il bombarde. Il n'arrête pas, il monte à 11,2. Ouais. Il monte en surf à 11. 9,6, 9,8. Ouais, il doit faire du 8,9 de moyenne là. C'est excellent. Ouais, je pense que je vais réduire pour la nuit. Hein, parce que moi je suis un peu pété au char. Je vais pas. Voilà. Non, on n'admire pas le bateau. Ah, je viens de voir le premier poisson volant aussi. C'est vrai. Tu vois? Ça, c'est un signe. C'est un signe. C'est un signe. Un signe ou un canard? C'est bien, je suis à fond. Allez, les baleines, on va ranger le Jennaker avant la nuit. On est à 10 nœuds et tiendrait toute la nuit comme ça, mais qu'est-ce qu'on a déjà dit? Soyons prudents. Bonjour les bananes, 7h10 local. C'est pas beau ce matin. On a mieux dormi. C'est pas beau du tout. Oh, mais c'est un beau grain que nous avons devant. Alors on a bien pêché. On a vraiment bien pêché. Regardez ça. Deux. Trois, quatre. Le soleil est en train de se lever derrière dans les nuages. Oh, dis donc, ça fait bien longtemps qu'on n'a pas vu un temps comme ça. Allez, on va relancer la machine. On va remettre le Genex sur Blacky. On est entre 5 et 6 nœuds. On devrait faire du 6, 8 nœuds. Avec 12 nœuds devant apparent. Elle était toute bouffie. Oui. Cette nuit, on a retrouvé l'échelle. L'échelle de la jupe arrière était dans l'eau. J'espère qu'on n'aura pas abîmé l'hélice de l'hydrogénérateur. Donc, il vous faut un spécimen. Une jacouille ici. Allez, on se remet. Allez, barbouiller la jacouille. Donc, on vous reparle du mal de mer. Le mal de mer, c'est quoi? Eh ben, c'est du mal de mer. Non, en fait, j'ai pas le mal de mer, je suis barbouillée. Allez, barbouillée. Ben, c'est le mal de mer. C'est le mal de mer. Ben, ouais, mais je vais donc, trois jours.
On est à son deuxième jour, vous allez voir. Demain, normalement, ça ira mieux. Passer trois jours, c'est jamais trop normal hein, d'avoir le mal de mer à bord d'un bateau. C'est pas trop normal. Là, la mer est un peu agitée, on va dire. Ça va. Donc, il y a plusieurs solutions. Soit il y a des médicaments, soit il y a les bonbons Mentos. Voilà, dedans. Moi, c'est mon petit truc. Moi, j'ai pas le mal de mer. Moi, je peux être nauséeux si je fais un faux mouvement, j'ai la tête dans le moteur et tout. C'est mal de mer, nauséeux. Non, moi, c'est nauséeux. Non, moi c'est nauséeux, toi c'est le mal de mer. Mais non, c'est ce que j'ai, je suis nauséeux. Arrête de te plaindre. Mais je me plains pas. Ouais, elle est baissée de partout là, jacouille. Elle a un furoncle dans le dos, elle a mal de mer, elle a mal au cul. C'est pas le spécimen le plus facile à avoir à bord, hein, moi je vous le dis. Hein. Nous allons faire une expérience ensemble les bananas. On va voir si le manteau c'est quelque chose à jacouille. Fais ah. Oh mon doigt. Ouais, ça va pas, non, coucher. Ah, mais ça va beaucoup mieux. Ah bah vous voyez, ça marche super bien. Si vous avez mal de mer, bonbon Mentos. Mentos, Mentos, ça c'est fort des fruits. Mais non, c'est pas du fruit, c'est du Mentos. Andros, Andros, ça c'est fort des fruits. Mais non, Andros, c'est la compote. Qu'est-ce qui peut être con celui-là? Messieurs, ce sont dans ces moments-là où vous êtes tranquille quelques instants. Vous avez trois jours de tranquillité à bord du bateau, c'est quand votre femme est malade. Quoi? Qu'est-ce qu'il dit sur que une choupie? Ouais, c'est bon, je rigole. Alors quand c'est comme ça, vous pouvez embêter votre femme. Allez, un peu de catch. Voilà. T'es malade. Mais le bâtard! Alors on est malade, hein? Hein, on casse pas les couilles à son choupi! Je te prépare à manger à midi! Une petite blague là, jacouille. Hein, si je me fais engueuler, ça sera de votre faute. Ok? De vous encore hein. Ah t'es chiant. Arrête, ça brûle. Ça m'énerve les bananas, j'arrive à rien faire ce matin. C'est une marmotte feignasse depuis deux jours, ce matin, depuis hier, hein, depuis qu'on est parti. Hein. Je t'ai pas mangé quand même. Oui c'est vrai, c'est alors. Vrai. Ouais mais ça c'est... C'est quoi? Ça, c'est mon devoir, c'est ça? C'est ton devoir de femme. Tu crois pas, toi tu vas ramasser mon gars. J'ai encore ramassé, voilà. C'est ton devoir de femme de faire ça. C'est ça. Après tout, tu n'es qu'une femme. Non mais en plus il y a quelqu'un qui a dit il est macho, mais c'est pas vrai, tu n'es même pas macho en plus. Il fait ça pour s'amuser de ça. Mais Choupi il est pas du tout macho. Quelqu'un a dit que j'étais macho? Ouais. Qui se dénonce de suite. Quelle banane a dit ça? Je suis pas macho. Non mais elle a pas dit méchamment. Mais t'es pas macho. Macho, macho man. Comment pouvons-nous définir le mal de mer? Alors pour moi, le mal de mer, après observation, c'est beaucoup, beaucoup aussi psychologique. Souvent, je t'ai fait remarquer. Hein. On a eu des fois des personnes à bord du bateau, j'ai remarqué le fait qu'ils mettent le pied sur le bateau, ils se disent avoir le mal de mer. Dès qu'ils mettent un pied sur le bateau, même au port, ils sont malades. Ils voient la terre au retour, ils ne sont plus malades. Souvent, j'ai remarqué, c'est un peu psychologique. Après, je crois que c'est un problème d'oreille interne aussi. Et le cerveau humain réagit autrement. On n'est pas fait pour être sur l'eau, on est fait pour être sur terre également. Donc c'est d'où aussi peut-être cette petite psychologie. Le cerveau réagit autrement. Il faut le temps de s'habituer à la mer. Et moi c'est psychologique là hein. Ah bah Magali, ça fait ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans qu'elle essaie. Il m'emmerde aujourd'hui, mais c'est pas possible. Il m'emmerde les bananas. Du coup, nous allons tenter une petite séance d'hypnose avec la jacouille. Regardez bien mon doigt. Attention, hop, il n'est plus là. Hop, il est là. Hop, il n'est plus là. Je suis à gauche, je suis à droite. Attention, attention les bananes, tous ensemble. Arrête, ils vont tous dégueuler. Ils vont tous dégueuler. Jusque dans la GV. Et ça, c'est pour qui? Arrête. C'est pour la... Arrête, c'est ton cousin. Jacouille. Arrête, ok, je l'ai enlevé. Arrête, je l'ai jeté. Donne ta parole d'homme. Dans le cou. Arrête, c'est dégueulasse.
Essai numéro 2. La jacouille mange une pomme, c'est pas ça qui va la soigner du mal de mer. Le mentos n'a rien fait sur la jacouille. Donc je me suis dit, on va mettre de la musique, ça va adoucir les mœurs. Ça va apaiser. On met de la musique, on va voir si ça marche. On se retrouve tout à l'heure. Sinon après on essayera le coca. Sinon deux baffes dans sa gueule, elle va pas vous faire chier son monde celle-là. Hein. Je sais pas si ça rend moins malade à Jacoune, mais moi ça met en pêche cette histoire. Bon, le mode thalasso a déjà commencé. Après, il y a le mode Halloween. Hein. Ça, c'est le mode Halloween. C'est pas thalasso pour tout le monde. Hein. Putain, je vais vivre avec ça plusieurs jours en mer, moi. Et ça va mieux, dis donc. C'est la musique qui t'a adouci? Oui. Ou alors c'est autre chose? Si vous voyez ce que je veux dire. Ah. 48 heures que nous sommes en mer, 162,7 000 en 24 heures. Ouh, attends, Et là, Blackie a bien avancé, là on a une petite vitesse de 6 nœuds, entre 6 et 7 nœuds. Et il a surfé hier à 14 nœuds, il surfait entre 10 et 14 nœuds à un moment là. Le vent est un peu moindre ce matin et la mer s'est bien calmée, ça ne tape plus du tout dans le bateau. Là depuis à peine une heure. Ouais. Et regardez la tête de la jacouille, comment elle va beaucoup mieux. Ouais. Avec son petit masque en plus d'Halloween. Ma petite jacouille a fait le plein de fruits et légumes. On reste pas loin de 30 jours en mer avec le non-stop à Sainte-Hélène. Qu'on va s'arrêter à Sainte-Hélène, je crois qu'on peut réapprovisionner. Ok. Donc, qu'est-ce que tu fais là? Bah là, j'enlève les feuilles de salade qui sont mortes. Qui sont mortes, qu'elles ne pourrissent pas les autres. Et puis, en fait, le problème, c'est qu'en Namibie, les légumes viennent d'Afrique du Sud. Donc vous imaginez bien que quand ils font le trajet Afrique du Sud, Namibie, si c'est dans des camions dans le désert, ça ne doit pas donner terrible. Hein. C'est pas super. Et puis en plus, on soupçonne l'Afrique du Sud de ne pas donner les meilleurs légumes à Namibie. Ah, ouais, c'est clair. De leur donner le reste. Et depuis le début, on a choisi, mais ça va être chaud. On n'aura pas des fruits et légumes jusqu'au bout. Non. Mais Majakou, il y a une petite idée là-dessus. Tout ce qui commence à pourrir, elle en fait de la soupe. Ouais, je fais de la soupe. Ou alors pour les... Non, les fruits, ça va tenir. Ratatouille. Où je ferai de la ratatouille, ouais. Mais ouais, c'est chaud. Hein. C'est chaud. Hein. Bah là, déjà, la salade, c'est bon, j'arrive à récupérer. Alors ça, c'est la iceberg. C'est celle qui tient le mieux en voyage, ouais. En fait. Quoique, on a des copains, ils ont acheté des baby lettuces. Ouais, qui viennent d'Afrique du Sud. Du coup, ils l'ont quand même jeté, parce qu'au bout d'un mois, elle était comme verte. Au premier jour. Elle était super verte. Pas de pourriture, rien du tout, comme si c'était un jouet en plastique. Ouais, et du coup, ils ont eu un gros doute quand même, ils se sont dit, on va la jeter. Ouais, ils ont pas voulu la garder. Tiens, bah... Mais ça va, elle n'est pas trop vilaine. Ouais. Ok. T'es sûr qu'il faut les mettre comme ça là-dedans? Bah écoute, je mets toujours comme ça. Non, c'est pas toujours ça. Enfin, je te vois faire ça. Bah tu dis n'importe quoi. Parce non. Parce que je fais toujours ça. C'est une menteuse. Et je l'accroche là. Les bananes n'aiment pas le mensonge. Mais je la mens pas, même que tu m'as dit, ouais, t'accroches trop sur ton crochet et puis ça va tomber. Mais c'est pas ça que t'as accroché, ces trucs lourds. Bah non, il y avait des salades. Mais c'est jamais été les salades. Mais évidemment. Il m'énerve. Oh, il m'énerve. Je vais prendre du fromage. J'ai de la chance, hein. Avec jacouille, je vais pas manger avec des nouilles. Ouais. La musique apaise, elle cache les bruits environnants. Ça aussi, je suis persuadé que le mal de mer, c'est d'entendre les vagues taper contre la coque, le bruit du vent, le bateau qui peut grincer de temps en temps, tout ça. Ça y fait vachement sur le cerveau. Le cerveau réagit autrement, ce ne sont pas des bruits normaux. Et la musique... La musique fait du bien. Fait du bien. Tu veux ton yaourt? Ouais. Oh! On va pas recommencer avec mon yaourt. Hein. La jacouille est en rechute. Une rechute. Mais alors, en plus ça va là, je trouve moi. Oui, ça va, mais... Voilà, ça ira mieux demain. On va essayer le coca, voir si ça passe avec le coca après. Allez, on va tenter le coca. Après le bon moment, ce coup de cake, la musique. On va essayer le coca. Aussi je débloque depuis qu'elle est en cloque. Regardez la couleur de l'eau, les bananes, ça fait plaisir. Après 300 000, en quittant les côtes africaines, l'eau est devenue bleu océan. Oh, j'adore. Moi, j'adore. J'adore cette couleur de l'eau. Ça laisse rêveur, ça laisse penseur, ça laisse pêcheur. Bon, pêcheur, pas pour le moment, mais j'adore ça. Alors la jacouille, ça va? Jacouille, barbabouille. Chers frères, chères sœurs, chères bananes, vous êtes nombreux à assister aujourd'hui à l'enterrement de Jacouille, dit Jacouille l'Afrique. Mais arrête, tu cours ou quoi? Ces derniers mots ont été: vive la banane. Il
Avec elle, vous vous souvenez, on ne mangeait pas que des nouilles. Elle nous manquera. Je vais être obligé d'ouvrir de nouveau des boîtes de conserve. Me faire des œufs sur le plat. Allez, tiens, me chante ta musique là. Tu m'énerves, hein. Voilà, vous êtes content? À cause de vous, je me suis encore fait engueuler. Alors, pour pas avoir l'œil de mer, il faut mixer la musique et le coca. Comme ça, c'est pas mal. Ouais. Autre essai contre la barbe à bouille. Non, ça va mieux, mais quand ouais. Même. C'est quoi? Bonbon ou gingembre? Toujours, t'as dit que ça te faisait du bien. Ah ben voilà, t'as plus rien. Alors je l'ai sur le radar, je ne l'ai pas sur l'AIS ce bateau. C'est dingue, hein? C'est quand même très, très bizarre. Ça sonne. Alors des fois on peut paraître imprudent à se dire, ah, putain mais ceux-là ils font leur quart de nuit dans leur lit et tout, ils se réveillent même pas. En fait, il n'y a que... Vraiment en océanique ou dans un endroit où c'est où on sait aussi que il y a peu de danger. On a l'AIS, on a le radar. Après, en plein océan, on est quasiment sûr de détecter un bateau au radar. On n'est pas près des côtes. Auprès des côtes, on surveille parce qu'une petite pirogue, un petit bateau, on ne l'aurait pas au radar. En fait, c'est ça. Hein. Donc je pense. Il y a peu, ça arrive qu'on les voit quand même au radar. Des fois, oui, des fois on les voit quand même au radar, mais voilà quoi. Et donc là on a un bateau devant nous, sans AIS, détecté par le radar. Donc on reste sur le qui-vive, on est toujours dedans, mais on sortira si on s'en approche un peu trop. Puis on a une belle vue quand même de l'intérieur. Ouais, de l'intérieur on a quand même une belle vue. On voit des... On n'est pas caché par la voile, en haut t'es caché par la voile, tu vois pas devant. Ouais. Et après il ne faut pas une lumière gênante en fait. Dans les yeux, par exemple, les tablettes et tout, si on l'a dans les yeux, on ne voit pas très bien dehors. Mais s'il n'y a rien du tout, que c'est sombre, ben on voit tout ce qui est lumière. Donc ce deuxième bateau que l'on croise a plus de 300 000 décotes depuis qu'on est parti. Donc comme quoi, les deux cumulés, radar plus AIS, c'est bien parce que du coup, c'est assez rare qu'un cargo, ça nous est arrivé au Sri Lanka une fois dans l'Indien. Et, ah, regardez, c'est arrivé au Sri Lanka dans l'Indien où le cargo n'avait pas d'AIS. Et là, en plein Atlantique, c'est assez, assez étrange. C'est un cargo en plus. Ouais, c'est un gros cargo. Pas d'AIS. Ouais. Bon, bah, le soleil va bientôt se coucher. Ouais. La mer est devenue magnifique. Bleue, quoi, et magnifique. Elle est belle. Elle bouge un peu trop encore au bout de la jacouille. Mais ça va. Mais on avance super jour, bien. Demain, ça ira mieux. Ouais, on avance super bien. L'après-midi, le vent se lève toujours un peu plus que le matin. On avance entre 7 et 8 nœuds, je crois, là. On va rattraper le retard. Si on continue comme ça, on devrait faire encore 140, entre 140 et 160 000. Cool. Et on n'a pas encore la mer de l'Atlantique. Hein. La houle de l'Atlantique, c'est pas encore vraiment ça. Mais ça va, quoi. C'est vraiment très, très confortable. Et l'Alizé également, c'est génial. Allumez un ventilateur, vous mettez en position 1. Vous mettez devant, vous avez un air constant qui va arriver sur vous. Mais réellement, j'ai l'impression que ça n'existe que dans l'Atlantique, ça. D'avoir le vent constant. Vous pouvez avoir 20 nœuds de vent. En général, à d'autres pas, près des côtes et tout, ou de certains océans, quand ils commencent à avoir 20 nœuds de vent, on dit oh là, ça se lève. Mais si c'est 20 nœuds, c'est linéaire, c'est. Hein, je sais pas comment expliquer ça en fait. Il n'y a pas de rafale. Il n'y a pas de rafale, voilà, exactement. Ben, quand je sais voilà. Pas, je demande à Wiki Jacouille. Voilà. Il n'y a pas de rafale. Et c'est vraiment très très agréable. Quoi. Dans 20 nœuds de vent, je pourrais mettre toute voile dehors en fait quand ici. Mais je navigue toujours avec un riz, on navigue bien. C'est au cas où ça c'est vraiment pendant la nuit. Oui. Voilà. Bon ben je vais boire mon petit thé. Moi je et suis à l'eau. Hein. Allô. Allô. Et on va faire un petit concours. Combien de poissons volants pensez-vous qu'il y aura demain matin sur le filet? Il y en avait 4, 5, 6 au total. 4 sur le filet, 1 dans la voile et j'ai marché derrière sur un ce matin. Ah, ouais. Ok. Et je m'amuse sur le mettre sur le nez, d'accord? C'est ça. Allez, bisous, ciao. Hein. Jingle. La question du jour. C'est la question du jour. Ah, Choupi l'a dit, on a trop parlé, mais ouais, on voulait vous faire une question par jour. Alors, aujourd'hui, nous allons vous parler du choix du bateau. Parce qu'il y en a plein qui nous posent la question, mais comment vous avez fait pour choisir votre bateau ou comment faites-vous faire pour choisir le bateau? Eh bien, on va vous dire, on n'en sait rien. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous, on n'a pas choisi. Non, ça a toujours été un coup de cœur pour nous. Ouais. Que ce soit pirate.com ou Black Lion. Ça a toujours été des bateaux atypiques, ouais, des coups de cœur. Ils se sont présentés à nous comme ça. Voilà, Black Lion, on l'a acheté
on l'a vu que la tête par la fenêtre du hublot bâbord. Parce que le gars avait oublié, il avait perdu. Alors, c'est pas Black Lion, c'est pirate.com. Ah, c'est pirate.com. Ouais. Ok. Il s'appelait The Cat à l'époque. Il s'appelait The Cat. Et Black Lion, on l'a choisi en même pas 5 minutes. Jacou est parti dans la coursive bâbord et moi dans la coursive tribord. Et en fait, on est remonté. Tac, comme ça, on s'est croisé. On s'est croisé et on savait de suite que c'était celui-ci. Voilà. Alors, ce qu'il y a de dingue, c'est qu'à chaque fois, beaucoup de personnes sont là, ils font des recherches, comment est ce bateau, tatati, tatata. Et Black Lion, personne n'en voulait, quoi. Moi, j'aime bien dire ça maintenant parce que c'était pas un bateau de série. Quoi, c'est toujours pas un bateau de série. Et en fait, les gens, quand ils recherchaient un kata, c'était plus Fontaine Pajot, Nautitech, Lagoon. Bateau de série, quoi. Bateau de série, parce que c'est un bateau de série, quoi. Vous avez une Twingo, vous avez une Renault, vous avez une Peugeot, et voilà. Et en fait, moi, je suis content parce que quand on l'a pris, ce bateau, on s'est dit, allez, on va lui faire un tour du monde. Et on ne regrette pas du tout parce que c'est un bateau qui n'était pas connu. Bateau. Et c'est, on ne dit pas ça parce que c'est notre bateau, mais il ne nous déçoit pas du tout. Et en fait... Il en est de même pour Pirate parce qu'il nous a fait faire un tour du monde aussi. Également. Ouais. C'est un bateau qui avait 30 ans. Quoi, 30 et personne n'y croyait. Personne n'y croyait. Donc, personne n'y croyait. Ce qu'il faut, c'est le bateau et la personne les personnes qui sont dedans. On ne se lance pas des fleurs en disant ça. Mais voilà, il n'y a plus qu'un avec son bateau pour naviguer. Et c'est à vous. Si vous avez l'envie, il y a un jour quelqu'un qui a dit le plus beau des bateaux. C'est le bateau de son cœur. C'est le bateau de son cœur. Il a tout à fait raison. Et ça c'est un truc et j'en démords pas, c'est voilà quoi. Il n'y a pas de ouais, moi j'ai le dernier Beneteau 400 de la série, c'est le meilleur de tous et tout. Non, c'est pas ça le bateau. C'est pas ça. Vous pouvez avoir un ferrociment. C'est ce que j'avais dit à Jonathan. Avant de prendre sa Guarani, tout le monde critiquait, dit oh mais t'es fou, va pas prendre un ferrociment, c'est malade. Monocoque. Moi j'aurais pu critiquer parce que c'est un monocoque. Mais non. Mais moi, la première chose, quand les critiques ont afflué, j'ai de suite dit à mon fils, j'ai dit, montre-leur, prouve à tout le monde qu'ils ont tort. Bah, il n'a rien prouvé, c'est juste que voilà. Mais non, mais là, tu es en train de dire n'importe quoi, je suis en train de dire. Ah, oh, hey. Bon, on l'a refait, celle-là, je ne mettrai pas. J'ai dit à mon fils, prends ce bateau, prouve à tout le monde qu'ils ont tort. Ok. Bon, il n'a pas pris parce qu'il va éprouver. Il avait envie de ce bateau, mais à 90%, tout le monde disait non, ne prends pas ce bateau. C'était le bateau de son cœur. Voilà, c'était le bateau de son cœur. Et là, pour l'instant, je pense qu'il ne regrette pas. Il va bientôt avoir passé l'océan Indien, son premier océan tout seul avec sa Pérounette. Pour vous dire, hein, c'est pas une chose à suivre comme nous exactement, mais nous, quand on a acheté Pirate ou quand on a acheté celui-ci, Blackie, on n'a même pas fait la sortie de l'eau, on n'a même pas fait de sortie en mer avec. On n'a pas appelé d'expert parce que ça coûtait de l'argent. On n'a rien fait. L'expert il va arriver, il va dire ah il y a une bulle, il y a l'osmose. Alors là vous allez vous renseigner, vous allez dire quoi, il y a de l'osmose, jamais un bateau a coulé à cause de l'osmose. Voilà. Quand il y a un bateau, comme nous personnellement, quand on prend un bateau, c'est parce qu'on en a envie. Et si on a envie, c'est aussi pour naviguer, partir autour du monde, voyager avec. C'est pas non plus pour rester en marina quoi. Après, vous donner des conseils sur l'achat d'un bateau, on est incapable de faire ça parce que c'est vrai, comme on vous dit, c'est le bateau de votre cœur et que ce soit un monocoque ou un catamaran ou un trimaran. Moi, je rigole beaucoup là-dessus. Évidemment, on est sur Catane, donc c'est un peu la guerre avec les monocoques. Donc j'aime bien m'amuser de ça. Mais que ce soit 30 pieds, il y a un bateau et je crois, comment il fait là? Il fait 4 mètres, il fait le tour du monde avec un 4 mètres. Tout ce qu'on entendait en disant, ouais, un catamaran, il faut un 47 pieds et tout. C'est complètement faux, quoi. C'est voilà. Tout quoi. Est réalisable quand vous êtes prudent, préparez bien le bateau. La préparation du bateau est importante. On parle beaucoup, je me réhydrate. Allez, réhydrate-toi. Voilà, en tout cas, choisissez le bateau avec votre cœur et puis surtout, n'écoutez pas tout ce que vous pouvez entendre autour de vous. Et ça, ce sera la question de demain. Voilà. Même nous, il ne faut pas nous écouter. Voilà. Donc, je ne sais pas pourquoi on a parlé pendant 5 minutes. C'est ça. Faites chier les bananes. Les gros bisous, les bananes. Bisous. Gratin de chou-fleur au coucher de soleil. Avec sa jacouille. Jacouille à fripouille, on mangera pas que des nouilles. Eh oui. Thank you.
Alors qu'ils sont fait les bananes, le soleil est couché. On va réduire, allez hop, on va mettre le phoque. On va mettre le phoque. Allez. On vient de reprendre encore un riz avec la jacouille là. Donc il y a deux riz dans la GV et tout le phoque. Parce que je sais pas pourquoi, je sens que cette nuit ça va souffler. Comme ça, c'est cuit.